On arrive à Gardaland et on est obligé de faire une scène là-dedans. C'est quoi ce tunnel? C'est trop bien! C'est le meilleur tunnel possible! Regarde le sol, t'as tout les... Oh non, c'est Disney en fait! Oh non! C'est le tunnel de Disney en fait, mais avant de rentrer dans le parc. Mais c'est trop beau! Comme ça, ça tout. Et on n'est pas encore dans le parc, là on est en train de rentrer dans le parc, on n'est pas encore dedans. Hein. On n'a même pas passé les caisses ou les contrôles. Alors on n'a pas encore notre billet. Alors, guide-nous vers notre première destination, toi non, qui as regardé le plan. Normalement, il fallait passer sur la gauche depuis pas que nous bah, est-ce qu'on arrive à passer là, sur la gauche? On passe sur la droite. Donc je ne sais pas. Du coup, elle recheck le plan. Oui. Les coasters sont là-bas, hein. Je sais pas si vous les voyez. Moi, je vois le livre de Raptor et je vois un rail blanc d'Oblivion derrière. Et on est dans le land Peppa Pig. Et nous ont tiré tout de suite. Ah, ils savent où on est. C'est quoi cette application du futur? L'entrée est là, ouais, donc faut aller là-bas. Eh bien, on passe par là. Et maintenant, à votre avis, quelle sera notre première destination? Est-ce qu'on va commencer par Blue Tornado, Raptor ou Oblivion? Je crois qu'on s'est perdu. On est dans une jungle profonde, mais regardez-moi ça! C'est quoi cet endroit-là? Il y a une rivière qui passe en bas, là, au milieu. J'ai l'impression qu'on va se faire agresser par je ne sais quelle bête. En tout cas, c'est joli pour l'instant. Et là, regardez, quand on lève, oh, il y a un rail BM qui dépasse. Et on sort, là, c'est quoi ce bordel, surtout, on sort. C'est de l'autre côté, non. On s'est trompé de chemin, on s'est perdu dans la jungle. Que c'est gracieux, un wing BM. Il fait pas de bruit. Bah non. Par contre, les trains sont stylés. Et la gare est sous terre, c'est impressionnant. Là, on est au-dessus de la gare. Voilà, on a fait Raptor, un sympathique Wing BM, mais le premier Wing BM. Et franchement, le ride était cool, on est le first row en plus, c'était bien. Et on a Chaton qui attend à l'ombre, parce qu'il fait chaud. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on l'aura pas aujourd'hui, je crois. De qui? Y'a qui est fermé? Ah, Shaman est fermé. Oh bah zut alors. Quel dommage. J'avais très envie de le rider. Bon, sinon Raptor, vraiment, c'était bien. Là, je pense qu'on va aller faire le deuxième BM qu'on voit juste derrière, qui lui est tout blanc, c'est vraiment le noir et le blanc. Il y a juste un truc qui est dommage. Avant d'arriver sur le lift, on passe dans une zone de décompta. Il n'y a même pas de brumisateur pour faire on vous décontamine. Tu cherches trop la théma jusqu'au bout. Mais c'est vrai, ça aurait fait du bien en plus, là il fait très chaud. Allez, on va voir Oblivion dropper de loin. Ah non, ça ne drop pas totalement même. Et Raptor qui va dropper quasiment juste après. Bon allez, direction Oblivion maintenant. Bon maintenant, il est l'heure d'aller plonger dans le trou noir. Ouh, ça fait peur. Ton impression sur ce coaster? Bah ça va. Ça va. On l'a pas encore fait, là on va le faire tout de suite. Single, ah non, single, attends. Quoi, il y a une single? Y a-t-il... Ah non, okay,
chose. C'est autre chose, d'accord. Bah encore une fois, un très bon coaster, ça y est, on a déjà fait les deux BM du parc. On n'a pas perdu de temps. Bon, maintenant, on sait pas quel coaster faire. Il y a un Mine Train là-bas, il y a les coasters. Ouais, les trucs d'eau, ce qui fait chaud. C'est une bonne idée aussi. Je ne sais pas. Donc là, on a déjà fait deux excellents coasters, l'air de rien. Il nous reste les plus nuls à faire, malheureusement. Et pas mal d'autres trucs. Là, on a fait que deux trucs pour l'instant. Et Chaton est à l'ombre. Parce qu'elle a trop chaud. En même temps, il fait 35 degrés, ça se comprend. On va faire un Mine Train Vekoma. Le dernier d'une longue liste. On les aura tous fait en Europe. Incroyable. Après avoir essayé de se mouiller, mais pardon. Donc juste avant, on a fait le raft, dont j'ai oublié le nom. C'était bien jungle sympa. Jungle Ride, je crois. Jungle Rapid, peut-être. Qui était bien sympa, bon ça mouillait vite fait, c'était pas non plus... Dans le volcan c'était classe vu qu'on était dans le noir. Par contre c'était joli, ouais, c'est un joli parc dans l'ensemble. En fait c'est la zone avant le troisième lift. Parce que oui, il y a trois lifts dessus. Les plus coca. Coca-Cola. On a vu des coca bizarres qu'on peut faire. Faut essayer de le suivre, le sac de nœuds, par contre. Ouais. Surtout quand il fait chaud. Et c'est le seul Mine Train, je crois, où les rails sont vraiment pas thématisés. Possible. Parce qu'ils ont l'air de la même couleur que ceux de Calamity. Mais il n'y a pas les traverses. Je me souviens plus. Donc on vient de faire, j'allais dire Colorado. Ouah, je me suis trompé de parc. Totalement. On vient de faire Mammouth. C'était assez fun, bon c'est pas le meilleur Mine Train mais c'est clairement pas le pire non plus. Il y a une drop assez marrante sur la dernière partie. Mais ça va pas de gauche à droite, ça va, ça fait pas comme... Ah oui, il n'y a pas de tilt lift. Et donc là on bouffe, donc on a pris un burger, un wrap, des frites pour nous deux. Les boissons viennent pas du resto par contre, les boissons et viennent c'est super bon. Les boissons, alors qu'on explique, ça vient d'un truc qui se fait à côté d'Oblivion. C'est un truc, tu choisis la boisson, ensuite tu choisis le goût. Il y a un choix incroyable. Ça vient jusque là les gars. Et en plus c'est un gros gobelet, donc moi j'ai pris un Coca Zero Vanille. Il n'y a pas ça en France. Et toi qu'est-ce que t'as pris? Du Powerade Zero Mountain truc, mais ça serait la myrtille, mûre et compagnie. En tout cas t'as pris un truc énergisant, donc toi ça va te faire du bien. Oui, parce que là-dedans il n'y en a plus de... Il n'y en a plus. Et franchement ça c'est super, hein. Le choix de boisson est incroyable. C'est un truc à côté d'Oblivion, c'est un tout petit stand de rien du tout. Et le pire c'est le prix, c'est pas super cher. Et c'est que 5 euros. 5 euros pour, une grande boisson et beaucoup de choix. Limite, vous avez 750 ml je crois dedans. Ouais, je crois que c'est 75. Bref, nous on va manger, après on sait pas ce qu'on va faire. Peut-être un coaster horrible. Parce qu'on l'a vu tourner. Parce qu'il est à côté. Et il est à côté. Ah, si on le fait aujourd'hui, on le fait pas demain. Hein. Ah oui, c'est vrai. Oh merde. Oh non. Oh puni. On s'apprête à faire Shaman, un looper Vekoma, style Python et Efteling, vraiment le même layout, qui a été refait pareil, sauf que lui, ils n'ont pas recorrigé les courbes, donc on va voir ce que ça va donner. Planté au milieu de tout ça, là, il y a une relique, un coaster que je n'avais pas envie de faire de toute façon, donc c'est pas plus mal que lui soit fermé. Donc Shaman, on va voir ce que ça donne. Apparemment, c'est horrible, on a très peur.
Bon alors ce truc, une horreur, un rideable, affreux, à ne pas refaire sous aucun prétexte, horrible. Ce virage là, c'est un désastre. Comment Vekoma a réussi à retraquer un truc pour le rendre encore pire qu'avant? Comment ils ont fait? Il y en a deux qui sont complètement maso. Ah bon? Ils veulent Shenran Shazam l'année prochaine. Shazam Shaman, pardon, l'année prochaine, uniquement pour le t-shirt des OP. Ah ouais, c'est genre, il y a un défi. Ah non, mais quand ils vont le rider, je pense qu'ils vont vite déchanter. Ils vont le faire une fois, ils vont faire plus jamais. C'est trop horrible. Et le bras, ça m'a pensé, moi. Je sais pas si j'aurais une marque. Ah non! Ah oui, c'est pas un support. Bon, je pense qu'on va aller refaire un BM maintenant. Alors avant d'aller refaire les BM qui sont derrière, on a fait un petit détour par Fugada Atlantide avec une eau mais bleue, j'ai envie de sauter dedans là directement, plouf. Le problème c'est que le coaster lui-même, parce que oui ceci est un coaster, c'est pas un splash classique, le problème c'est que ça mouille pas beaucoup, hein. Ça fait une belle gerbe d'eau quand ça arrive, mais après au final, nous on est très peu mouillés. Ce qui mouille le plus c'est les gens qui nous arrosent là-bas, les vicieux. Heureusement qu'ils étaient là, au moins on a été mouillés et ça a pu rafraîchir. Bon maintenant on va aller par là. Pour de vrai cette fois, parce que là-bas il y a Oblivion, on le voit pas. De faire attirer par le trou noir, non. Et la louloutre, non. Tandis qu'on va voir ceux qui vont vraiment se faire aspirer. Rien que pour ça, c'est le meilleur coaster en fait, c'est la meilleure théma. Les airtime. Oui, c'est puissant l'air de rien. On le sent bien l'airtime, que ce soit là ou que ce soit là au last. Et franchement, c'est celui-là qui m'envoie le plus valsé quoi. Ah non, mais c'est vrai qu'il envoie bien. Hein. Et après, t'as le 0-0 là avec beaucoup de lattes. Mais ça, c'est parce qu'on est toujours à gauche. À gauche ou au centre de tout. Faut essayer d'être à droite pour voir ce que ça fait, mais pour l'instant, on n'a pas eu cette chance. Tellement bizarre. Soit c'est une inline twist, mais tu te dis comment elle est shapée. Et il y a plein de foot choppers et de choppers. J'ai vu un dinosaure passer. Je crois qu'on t'a perdu là en fait. Là trop chaud. On reprend les énormes boissons avec les multitudes de goûts qui sont juste à côté de nous. Oui, ça se prend vraiment le truc là, juste la Coca Freestyle, vraiment. C'est trop bien. Là, cette fois-ci, j'ai pris Coca Zero Lime. Et toi, qu'est-ce que tu as pris? Du Powerade à la cerise cette fois. À la cerise. Des trucs qu'on ne trouve pas en France, quoi, bien évidemment. Voilà le résultat lorsque la zone enfant où on peut se mouiller est limitée à 1m40. Et ça a fail. Allez, j'ai mouillé le support. Coucou. Oui, parce que la gare est là-bas. On avait un train dessus. Voilà, chacun son tour. Et ça fait du bien, punaise.
Là, c'est un fossile. Et c'est juste à côté de l'oblivion en plus. Mais oui, mais regardez. Il est encore là, regardez, il repasse. Et il y a un train qui reste là, on le voit bien en fait. J'avais pas pensé qu'on voyait aussi bien le staging. En fait, on est sous le transfert track ici. Mais où ça va ? Je crois qu'on a trouvé le point le plus tranquille pour manger. Regardez. C'est incroyable cet endroit. Et le pire, c'est qu'en repartant d'Atlantis que je l'ai trouvé. Oui, pour vous donner une idée, Atlantique et enfin Fuga de l'Atlantide est là-bas. Et par là. Là, on a pris à manger, on va dire, vers en face. La pizza, à peu près en face. Et Oblivion, c'est derrière. Voilà, pour vous situer à peu près dans le parc. En face de nous, c'est le raft. Et en face de nous, c'est le raft. Qu'on va peut-être faire après, d'ailleurs. Apparemment, il n'y a plus personne. Il était à 5 minutes avant qu'on aille manger. Voilà, donc on va voir. Et regardez les bonnes pizzas. Donc ça, c'est plus pour les végétariens. Et moi, c'est une margar. Hein. Nous avons Olivier qui bat des bras. Il fait son oiseau. Et voilà Raptor qui était bien chaud. Et toi aussi t'as chaud. On est tous morts. Et là je pense que comme le parc s'est carrément rempli d'un coup, je pense que ce soir on ne va pas rester jusqu'à 23h. Peut-être que demain oui. Ça pourrait être quand même sympa. Mais là je pense qu'on va plutôt se rentrer, on est un peu naze. Je sais pas ce que t'en dis. Voilà. Ça veut tout dire. On a terminé sur un Raptor bien chaud et l'air de rien intense. Faut dire ce qui est. Donc sur ce, on vous laisse. Et on vous dit à demain. Et deuxième jour à Gardaland, on passe par un autre chemin. Et je ne suis plus avec la même personne. Il arrive à nous rejoindre à Garda, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là on va faire le coaster que je n'ai pas fait hier, que je n'avais pas du tout envie de faire aujourd'hui. Il est où, il est où? On le voit pas, c'est génial. Il est caché. Oh non, il est là. Je crois que j'ai jamais été aussi proche. Ouais, moi non. Oh mon dieu. Et oui, t'as un dispatch stylé. Bah c'est l'avion. C'est l'avion qui démarre. La propre, elle a l'air quelque chose. Hein. Oh, ça donne envie. C'est incroyable. Ou pas. Pas du tout même. Bon, où est l'entrée? Il y a des gens qui rentrent par là, mais on sait pas si c'est une entrée. Non, je crois que c'est genre comme Goudu, c'est une zone d'observation, je pense. Peut-être. Moi, je pense que c'est là-bas aussi, en tout cas. Je pense que c'est là-bas, en fait.
Et voilà, une incroyable merde que nous venons de rider. Bon, légèrement moins pire que Vampire. Et El Condor ? Et bon, El Condor, on n'en parlera pas, mais ça reste très très nul. Alors maintenant, on va aller voir Raptor, qui est là-bas. Par contre, le chemin pour y aller... Par contre, c'est la bonne musique. J'avoue, la musique est pas mal. Faut juste qu'on retrouve le chemin maintenant pour rejoindre Raptor. Ah, là, apparemment, en plus, il n'y a personne là-bas. On va utiliser l'appli GPS. Voilà un bon coaster. Et on a retrouvé Chaton au passage. Qui a rassuré des gens. Qui a rassuré des gens et qui du coup ne l'a pas fait avec nous. Terrible. Bon, Raptor, ça reste bien. C'est quand même bien intense l'air de rien en G+. Un peu moins en floating, mais il y a quand même ce qu'il faut. Il y a un zéro chirol quoi. Parce que bon... Toi tu connais pas, tu n'as pas notre avis sur Blue Tornado. Ah non. Mais t'en fais pas le groupe qui avait peur. Bah ils avaient fait Blue Tornado juste avant. Ah bah oui, ils ont commencé par le pire, forcément. Mais ils m'ont dit, c'est quoi qui fait mal encore? Je leur ai dit, Shaman qui fait pas. Et donc pour aller vers Oblivion, on passe par le meilleur chemin de tout le parc. Le chemin tout petit. Ce petit chemin ultra... Wow. J'ai failli me casser la gueule, on dira rien. Mais oui, ce chemin il est trop bien. C'est tranquille et tout. Il y a un petit avant-poste ici, il y a la rivière, c'est vraiment trop mignon. Oui. Par contre, on entend bien la musique Far West dans ce chemin. Et là, on va sortir de la forêt de Perlimpinpin pour retrouver le Far West. Et voilà, le Raptor s'est échappé, il a envahi le Far West. Il s'est échappé de sa prison. Et eux, ils sont derrière, ils sortent de la forêt. Attention, ils ne savent pas qu'il y a le Raptor qui va leur courir dessus, Raptor. Bah ben oui, il s'est échappé, il est passé par là. Il faut le retrouver. Oblivion. Et Oblivion. Et tu vas voir l'arbre. Bon, Oblivion, on le verra moins bien. Mais de toute façon, on va le faire, donc on le verra bien. Et on va passer à côté du monsieur qui ronfle à 24. Et des pizzas aussi. Aussi. Mieux Oblivion qu'on va faire juste à côté. Et attention ici, il y a le trou noir, je me fais aspirer dans... Ah, des vraies pizzas cette fois. Oui. Et une pizza invisible parce qu'elle est pas encore arrivée. Bon, elle va arriver, on s'en doute pas. Donc moi j'ai pris une... Non, c'est toi qui as pris. C'est moi la pionnière. C'est toi la pionnière. Avec les champignons là. C'est pas une XZ celle-là. C'est presque aussi gros. Je synchronise. C'est presque aussi gros que le joke de la XZ. C'est plus gros. C'est un petit peu plus gros, ouais. Et moi j'ai pris une Winchester, donc pas pour te tirer dessus. Un pan. Panthéon. Panthéla. Hein? Panthéon. C'est Panthéon qu'il fallait dire. Et on se redirige vers Shaman, un coaster que je n'avais pas envie de refaire. Ça se comprend. Mais bon, il faut que tu le fasses, donc je t'accompagne dans cette souffrance. Tu vas voir, ça va être magnifique. Déjà, il y a un train qui va dropper là. Ça donne envie, n'est-ce pas? J'ai vu la transition à la style comme un corps. Tu t'es dit, mais putain, mais comment ils ont fait ça? Et à l'inverse, là, c'est quoi ce truc? Mais c'est bon, je les vois. Vous avez peut-être entendu à toute tête lisse.
Et nous on le refait. Surtout que là il est bien chaud l'air de rien, il est bien intense. Ah, il est pas mal là. On sent bien léger plus. On le sent bien trimé aussi. Aussi, ouais. Oh, oh oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oula! Faudrait qu'on m'explique d'abord, tout ce truc c'est un flat spin. Oula oula! Inversionné flat spin. Inversion flat spin. Depuis quand? Donc là c'est un zéro gérole. Ok. C'est intéressant. On sait que c'est BM du coup. Ouais. Et là il y a les gens qui ont travaillé dessus. Et ben. C'est ceux qui ont fait le montage. C'est ceux qui ont les ouvriers qui ont monté. Des glaces! Oui. Il fait chaud. Non, trop chaud. Sans blague, il fait 34 degrés, c'est le pôle Nord. Papa Noël. Il est où? Ah, on n'est pas dans le bon land, mince. Par contre, il y a des joies, il y a des grosses peluches là-bas. Faut aller vers Mammouth, ça, pour peut-être voir Papa Noël, vu que ça se passe dans le pôle Nord. Peut-être. Non, c'est en Antarctique. C'est en Antarctique, hein, il me semble. À vérifier. Il court vers un Wing BM. Incroyable. C'est vrai que le wing est juste derrière. Et il n'y a pas de train. Tristesse. Et pour le repas du soir, on mange au resto de Blue Tornado. Ouais, il est derrière là. Avec le coaster horrible qui est juste derrière. C'est le staging. Et ici, on a des avions. Waouh. Oui, oui, déjà. Dédicace à eau. C'est quoi ce burger? Le Tornado. Ah, c'est le burger du coaster. Eh bien, j'espère qu'il fera pas aussi mal que le coaster lui-même. Hein. Comme d'habitude, le parc, il se remplit passé une certaine heure. Vous voyez Oblivion. Ça va être compliqué. Moi, ça va, je suis au frais. Oh, mais on va le faire quand même, hein, mais bon. Je pense qu'on va le faire une fois. Et après, on va attendre. Et on va faire la toute petite free fall qui se trouve là. Mais confondu avec Oblivion. Mais petit mais intense. Hein, ceux qui disent, enfin celles qui disent plus c'est long mieux c'est. Et bien vous avez le contre-exemple ici. Voilà, ça vous donne une idée de la taille du machin. Mais ne vous fiez pas aux apparences, c'est terriblement efficace. Et il y a Oblivion qui va arriver, puisqu'on a des beaux points de vue sur le Zéro Girol d'ici. Ce truc aussi, c'est terriblement efficace. Hein. Ouais, c'est vrai que pareil, hein, Oblivion c'est court, mais c'est très bon. Hein. Alors
on a la nuit qui tombe, ça commence à devenir méchamment stylé tout ça. Là, ça va être pas mal. Raptor, il va devenir bien intense là. Je pense qu'il est déjà bien, hein, vu la vitesse. Je pense qu'il va... Attention aux voiles gris là-bas, là. Enfin, peut-être pas non plus. Mais l'air de rien, il a sa dose de G et c'est pas désagréable. Tu es obligé, il y aura des voiles gris. Et on fera Oblivion après. Ça va être sympa aussi. Est-ce que c'est meilleur que sur du parc de nuit, c'est trop bien par contre. Ouais, de nuit, c'est bien. Ah, c'est trop bien. Elle est trop bien. Ça devient intense. C'est génial. Mais il reste Oblivion à faire. Ça va être encore mieux, je pense. Le plongeon dans le trou noir de nuit, ça va être encore mieux. Putain, Raptor, il est trop beau. Choper deux coasters en un, et maintenant celui qu'on va faire, c'est celui-là. Oh la raga, abbiamo fatto la giocata giusta, giro squeeze vertigo. Oh no, guardalo. Regarde bien l'hélice. Voilà, c'est ce que j'attendais, voilà. Il est passé là, non, je sais pas. La poste. Il va super vite. Et il est que 22h. Enfin même pas, 22h50. Et voilà, Gardaland, ça va être fini là. Bon, ben que dire, Oblivion et Raptor, la nuit tombée, c'était vraiment bien, bien lourd quand même. Et maintenant, on va se rentrer. Et demain, ben, on attaque le meilleur parc du trip, j'ai envie de dire. Allez, sur ce, on vous laisse et on vous dit. À plus.